Maintenant, les gars sont partis. Et qu'est-ce qui reste? Il n'y a aucune trace. Quelques articles comme ça, mais c'est des écrits, quelques photos peut-être, et c'est tout, malheureusement. Dans le stade municipal d'Alger, qui ne contient pourtant que 12 000 places, il y a 20 000 personnes dans les tribunes qui ne demandent qu'à s'enthousiasmer. Les deux équipes dominent à tour de rôle. Sur coup franc, les Bulgares sont à deux doigts de marquer, mais Boubekeur extraordinaire est à la parade. Les Algériens veulent égaliser, le match est passionnant, l'Algérie prouve qu'elle possède une grande équipe de football. Abdelrahman Boubekeur fait partie de la fameuse équipe Falane, mais il ne faut pas oublier qu'il a commencé à faire ses classes à l'OMSE, à la SSE, puis ensuite il est allé en France. Il était gardien de but de Monaco, gardien de but également de l'équipe de France. Il devait participer à la fameuse Coupe du Monde 58. Et avec tout un groupe de joueurs, il avait rejoint l'équipe Falane à Tunis. Mais pour moi, c'est le meilleur gardien de but que l'Algérie ait enfanté. Pour l'équipe algérienne, numéro 1, Abrouk, numéro 2, Atoui, numéro 3, Bourouba, numéro 4, Khayari, numéro 5, Hedfi, numéro 6, Seridi, numéro 7, Berouji, numéro 8, Selmi, numéro 9, Kalem, numéro 10, Sahab et le numéro 11, Achour. Edou prise avec Atoui, réussit à passer qui centre. Abrouk Dibi. Ah là là là. Un tir un peu mou de Pelé. Tir de loin, contre favorable. Edou. Intervention de Abrouk qui a dévié en corner. Je me suis permis de sortir avec le ballon 18 mètres. Il faut mettre le ballon dehors, puis ensuite vous sortez des 18 mètres. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à mettre le ballon dehors des 18 mètres à partir de 65. Puis ensuite, un jour, il y a eu un match très important entre la France et l'équipe d'Angleterre, où le gardien de but avait mis le ballon dehors des 18 mètres. Et les commentateurs de l'époque, ah, tu as vu le gardien, il met le ballon dehors des 18 mètres, il dégage. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Trois jours après, fait le journal en Nef Zahir, Monsieur Larqué, vous vous trompez. Il y a un certain Abrouk Mohamed qui est à l'origine de ce dégagement. Mais je ne l'ai même pas touché. Visant, il est à 9h, il est à la lumière, il est à la télé. Il faut préparer le match. Le match, il faut qu'on ait le match. Le سقراط لجونيور قوية واو يا من كروت يا سلام ممتاز كروت ممتاز 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 تو في سو بلان تكنيك تاريفي ا اون نيفو بور تو دابور اتر سيليكسيوني اون ايكيب ناسيونال اي سورتو سورتو اسيي دو ديتروني مهدي سرباح الله يرحمه لزيدان مع ابو تريكا لزيدان امامه يحاول زيدان يحاول ان امر زيدان يحاول ان يقدم كره زيدان يحاول شوشي بارع كره لا ينتبه الحكم لهذه اللقطه ولسقوط احد اللاعبين الجزائريين خطيره الكره والتغطيه الدفاعيه ممتازه دفاع المنتخب الجزائري ما اروعك يا شوشي وسامه الاخرانيين هذوك تعرف الشعب تاع الجزائر كله واقف الجزائريين 40 مليون كلهم كانوا واقفين والحمد لله اكثر خير ربي دير خمس دقائق الاخرى كملتها كما لازم الحال وجبت تاهل والحمد لله سي سا مير افون دو بارتير الله يرحمها a laissé un message a dit il faut que tu participes il faut pas que tu rates ton stage en équipe nationale et ça nous a vraiment touché Les
Les gardiens de but algériens reconnus à l'échelle internationale sont nos anges gardiens. Ils ont écrit l'histoire de notre football en lettres d'or. Selon le regretté Saïd Ouchen et le grand Mohamed Abrouk, un bon gardien passe par de bons réflexes, une bonne détente et une bonne prise de balle. Ce sont des performances spécifiques pour les portiers des années 1950 jusqu'à 1970. À partir des années 70, le rôle des gardiens de but a évolué au niveau de la technique balle au pied et de la précision dans la relance. Entre 1970 et 1990, de nombreux gardiens de but ont eu l'honneur de défendre la cage de l'équipe nationale algérienne. Seuls quelques-uns d'entre eux sont vraiment entrés dans l'histoire des Fennec. Abdennour Kawa et l'Arbi El-Hadi nous présentent ces enjeux gardiens. Saïd Ouchen, c'était mon idole comme gardien de but. Et c'est réciproque. Voilà, je remonte à 1974. J'ai plus de 30 sélections pour l'équipe nationale. Et ma dernière sélection, tout l'île 84, contre l'Égypte, Hanaya, donne un but partout. Ou démissionne Hamid Zouba, les gardiens qui étaient nous avant, qui étaient Saïd Ouchen, Abrouk, qui était le goal de Ouchen, qui était Hanchi, qui était Ounas, qui était MC, c'est كبار عليا, mais c'était les qui étaient nous avant. Qui était le Mokht Constantin Blam, ومن بعد باش جا الاخر سي ما جينيراسيون الله يرحمه نعيجاس. وهذه نعطيها لقيت اون انيكدوت مالوريزمون مو جيتي ان بو محقور في المولوديه حقروني باسكو المونديال 86 سي سارتان ديريجون دي مولوديه ليكس انترينور داك الوقت اللي بحروا لي المونديال سينو كنت رايح جيتي لو بالك لو نيميرو 1 لو تيتولير نيميرو 1 وما حبوش يعطيو لي لا ليبراسيون حبست ما حبيتش نلعب وجا ليا مقدادي وسعدان على ليبوك سيتي لي زونترينور ديكيب نازون قالوا لي محمد لازم تلعب اون ا بيزوان دو توا للمونديال. سا كارير ا فريمون ديماري لورسكيل ا جوي كونتر لو حافيا كوناكري فينال دو لا كوب دالجي. كومون اسكو ايت موهوب سي روتروفي تيتولير الوغ كو la campagne africaine, c'était Kawa, le gardien de but titulaire. Nous avons joué contre le Ahli du Caire. Notre qualification, on la doit à Kawa. On a joué en déplacement, on a gagné 3-0 à Alger, à Saint-Juillet, et on a joué en déplacement au Caire. Il a fait une partie extraordinaire. Un peu grâce à lui que nous avons pu pratiquement garder les bois vierges, parce qu'ils nous ont marqué un but au pénalty à la dernière, dernier quart d'heure, un pénalty qui était imaginaire. On a joué la finale à Conakry, nous avons perdu 3-0. Kawa, ce jour-là, il n'était pas. C'était pas son jour, il n'était pas dans son assiette, il a encaissé deux buts qu'il aurait pu éviter. Au match retour. C'est Aït Mouhoub qui l'a remplacé, c'est lui qui était titulaire. Vous connaissez le résultat, Smet. T'es à la finale, on a gagné 3-0. Et ben, comme Kawa a été un artisan de cette fameuse Coupe d'Afrique, à la finale, lorsque la remise de la Coupe d'Afrique, j'étais le capitaine, donc c'était moi qui devais recevoir la coupe et la brandir. J'ai vu Kawa, je lui ai dit, Abdennour, c'est à toi de prendre la coupe, tu n'as pas joué,
Mais tu as été quand même un artiste. C'est lui qui a été recevoir la coupe du président de la CAF. Il y a eu l'arrivée de Aït Mouhoub, l'Amman Afel Mouloudia, où il était en équipe nationale technique, fait Ourt Makri, ou les Galo. Aït Mouhoub, à la belle Aït Mouhoub, quand c'était l'adjointe à Kawa. Donc Kawa, il a eu une il s'entraînait sérieusement. Kawa, dès qu'il a eu une blessure à l'épaule, il a repris Kawa, Aït Mouhoub, il a repris la succession ou Metna Hach. Bousri, Bousri Liman. بطروني من هناك الآن بطروني في انطلاقة متاعه صاحبه قدامه بطروني يتوخر كثير بطروني ويسجل روعة هذه الذكرى تعود متاع لعب المتوسط بكل براعة يا سلام فعلا عادت الذكرى وعادت نفس الصورة اللي عاشها الملعب الأولمبي الكبير Les joueurs sont devenus pratiquement des joueurs de métier avec les compétitions, toutes les compétitions qu'on avait disputées, ça faisait quand même du poids dans la balance. Et c'est à partir de là que l'équipe nationale a cru en ses moyens pour pouvoir bâtir le fer récemment et refaire le moustawa. ويروح ل يعني المستوى عالي حتى ضد الدول اللي عندها فرق قوية. كنا يعني قادرين نمارسوا نلعبوا ونقاوموا ضدهم دونك مهدي ا فيت سي بلو بون جور او نيفو دو لا جي اس كابيلي لا غاني بليزيور تيتر دو شامبيون دالجيري لا ايتي سيليكسيون اون ايكيب ناسيونال ميم سي لا تيرميني كونت لالجيري ا باتو لالمانيا ان 1982 اي ايفولو ا ليبوك او ار سي كوبا Après de longues années passées à Tizi Ouzou, il voulait se rapprocher, il adorait sa mère par exemple. Je me rappelle, Yima, c'était sacré pour lui, Goulkhil Hadja, c'était sacré. Alors lui, petit de taille, un petit handicap, mais c'était vraiment un gardien volant. Gardien volant, et puis c'est quelqu'un qui était connu, tous les gardiens de but qui sont entraînés avec lui. Mais c'était un bosseur comme il n'y en avait pas deux. À l'entraînement, c'est ce qui a fait d'ailleurs que Vous avez vu ses pectoraux, sa musculature, sa détente incroyable. Elle est innée, certes, dans un premier temps. Ce sont des qualités naturelles, mais il faut les parfaire. Et dans ce domaine-là, Mehdi a toujours travaillé comme un forcené. Oui, effectivement. Selbah, il est bien connu. Déjà, avant moi, en équipe nationale. Hein, pour moi, j'ai remarqué que c'est le meilleur gardien. J'ai vu avant quelques autres. Regarde le Marhoumine, l'Abou, M. Malabou, Moustawa Ali, c'est déjà deux Coupes du Monde. Bon, Belkara, 86 Marrakech, mais 82, plusieurs Coupes d'Afrique. C'était le numéro un, sincèrement, fait la période terne. Mais après, il a été là, c'est le Mehdi, Mais pour moi, c'était le numéro un. C'est le joueur, le gardien plutôt complet. Mais il était un peu plus grand. Mais bien, il était bien. Avant, on a 8 heures de rendez-vous. L'entraînement à 8 heures, on se voit comme il gère, il a des mouvements. C'est un gagneur. Le vouloir gagner, comme gardien, c'est rare. Une fois, on a joué un match JSK Mouloudia au 5 juillet. C'est pour vous donner, c'est un appel, j'allais dire, un sursaut pour la nouvelle génération, pour donner un petit peu un exemple de sérieux, un exemple d'amour du football, un amour pour son métier, pour ce qu'il fait. On a joué Mouloudia JSK au 5 juillet en 1975 et il y a eu un accrochage entre les joueurs. Entre certains joueurs du Mouloudia, certains joueurs de la JSK. Et on a eu trois expulsés de chaque club. Et parmi les nôtres, il y avait Serbah qui a été expulsé aussi. Donc Rachid Makhloufi, qui était entraîneur de l'équipe nationale à l'époque, qui était au stade, qui avait assisté à ce match, est venu directement au vestiaire de la JSK. Pour prendre Serbah, pour alerter Serbah, il lui a tout simplement dit, chauffe Ahmadi, quelle que soit la sanction de la fédération, La suspension que va t'infliger la fédération, moi en tant qu'entraîneur national, je vais la multiplier par deux.
Il n'y a pas un joueur qui prépare les matchs, il y a un gardien qui prépare les matchs comme Serbah, Allah yarhamou. Il est très très sérieux, quel que soit l'entraînement, quel que soit dans la récupération, quel que soit l'hôtel, dans sa chambre. Et j'ai passé tout mon temps avec Allah yarhamou et je partageais la chambre avec lui. Ça c'est une chose, mais je ne sais pas si tu es visant. Il est à 9h, il est à la lumière, il est à la télé, tu n'as pas... Il faut préparer le match, il dit que le match c'est le match, il faut préparer. On est à Tunis, il dit que c'est la Coupe du Monde, avec Tunis. Et Allah, il dit que c'est 10. Il dit que nous sommes Serbah, à la balle. Serbah, nous avons eu le téléphone, à la balle, quand il a eu les chambres, les numéros de téléphone, c'était les numéros de les chambres. دونك طلعنا بالباجاج وكذا باش كديس الله يرحمه على كل حال قال لي نهبلو سربح قلت له كيف قال لي نهبلوه قلت له كيفاش قال لي تعرف تهضر بالتونسيه قلت له شويه ايوا فدنا التليفون درنا الاخر قلنا ايوا سربح انت حارس منرفز بزاف على بالنا البوان فاب تاعك منرفز اوا قال لي احنا ماشي منرفز انايا راني ماشي منرفز انايا راني لاباس وراني موجد لاباس وكذا والدنيا ومن بعد خرجنا ومن بعد قطعنا وخرجنا خفنا يفيق بينا خرجنا كذا نتمشاو خرجنا نضربوا دور على بالك تما في تونس مع لي زونترينور ولي جوار وكديس وجاي يجري لينا قالنا على بالكم على بالك فاقوا لي واش نقول لك متى من بعد على بالك باش ما قلنا له لا احنا لزقينا لك باش ما على بالك يتقلق كشفناه بدا يتقلق ودا قلنا بتقلق احنا اللي زقينا لك ما خلناش على بالك لعبنا بروميي ماتش تاعنا واخا مع الغانا والغانا على ليبوك تعرف الغانا سي لي بريزيليان دافريك سي لي بريزيليان دافريك لي غانيان لي 20 دي بروميير مينوت 30 مينوت كلاونا Ils nous ont bouffé. Ils nous ont bouffé. Le ballon m'a chauffé, je gars. Mais dit, tu es beaucoup mieux. Le terrain n'était pas gazonné vraiment. Il y avait de la terre. Donc, m'a dit qu'il est beaucoup mieux. Tellement il a eu des occasions pour arrêter des ballons, il est beaucoup mieux. À un moment donné, il était un peu debout. Je compte. Khadis, là, Rahmo, Mohamed, ou Kouissi. ما هادو يتفهموا ما يتفهموا مليح تعرف من يضحكوا عليه على بالك هو يشبك من هنايا ويضحكوا عليه ومهدي تنرفز كومبليتمون انا كنت كابيتان عليه شوف يضحكوا قلت له انا حبيت نضحك شديت روحي باش ما نضحكش وزعما زقيت على محمد الله يرحمه ومصطفى كويسي ومصطفى كويسي مي فريمون سي انكرويابل ماتش كيما هذاك تلقى ان سيتياسيون باش تضحك باش تشوف كيفاش اون ايتي كونسونتري في الماتش مي سي با بور سولا كو لو ماتش ديباسي نو بونسي ولا يتغلب علينا المباراه ما تغلبش علينا اون بعد افيكتيفمون عاودوا رجعنا في الماتش اون في اخر 0-0 في الماتش هذا اون في ان غون ماتش اون في ان غون ايكيب تاعك اون في ان غون ايكيب دي غون جوار يصبح الكره باش تصبح هجوم مضاد لصالح فريقنا الوطني باتجاه عساد مع بلومي ترجع لعند عساد بالجناح الايسر في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول من هذه المقابلة يا بلومي.
J'ai fait ma carrière dans un club, c'est-à-dire qui s'appelle le RCGO. Les gens qui sont venus, il y a pas mal d'internationaux. Bilkedroussi, il a fait l'école Téhéna. En 88, après la fameuse finale à 82, où j'étais international, un malchanceux qui a raté une carrière, peut-être un professionnel. À l'époque, ils étaient Serbah qui était à la hauteur parce qu'il était ancien en tant que gardien. Il a joué avec l'équipe nationale militaire, puis l'équipe nationale civile. Hein? À part ça, je cache un autre gardien qui me faisait peur ou quelque chose qui me faisait barrer la route. J'ai fait les matchs amicaux contre le Real Madrid, Benfica, l'Irlande du Nord et le Pérou. Et contre le Benfica, j'ai fait aussi le remplaçant contre le Benfica. J'ai fait les déplacements à Lille, l'avant-dernier déplacement. Quelle fut ma surprise? En revenant de Lille, j'étais écarté. Mon gardien préféré, c'était Houchem, il avait un style de jeu, il était gentil, il était très très gentil, il était respectueux. Je ne connaissais pas Houchem directement par visage. Je suis allé avec l'Azmo le 19 juin. روحنا قدام على التريبين بور سالي ريبوبليك اي واحد من ليها سمعتها قال لي يا سعيد باسكو هو سمو سعيد ولا سموني سعيد قال لي يا سعيد قلت هذا سعيد سي انتيم باسكو امتير يعرفوني في الاطراف الفوتبول سعيد سي انتيم اللي قراو معايا ولا صحابي ولا تي لي سالوي بار ريسبي ما دروت قدرت ردوان كاين لا فيني كيف لاصونا تردوا من نقول لك حاجه كان واحد السيف هذا مو كحله هكا وعيط لي بصح ما عرفتش شكون قال لي ما عرفتش قال لي هذاك هشام قلت له والله مشت قعدت لي هذه في اليدين في راسي بلوس دو 20 طون ولا عيط له شال سيد نيميرو التليفون تاعه وعيط له قلت له فوالا 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 قال لي اوه سعيد قال لي جو ريسبكتي بوكو قال لي جو تيمي بوكو سعيد امتير كي يفو دير كي سي ان انفون دو كري دو لازمو. Et il n'a pas eu l'ancien mérite d'être médiatisé. C'est quelqu'un qui a pourtant fait partie de la glorieuse équipe de l'ASMO, qui à l'époque était une véritable école de football. Et il a joué à Bel Abbès aussi, il a joué à Bel Abbès. Et les dernières années, il est un peu fatigué. Il a reçu la visite de l'association La Radieuse. Avec l'ensemble de ses membres et à leur tête, Qada Chafé. Et j'espère qu'il va reprendre ses forces, Inch'Allah. Mais il a été même international et c'est quelqu'un qui a toujours été très discret dans ses prestations. Lui qui, pourtant, avait pratiquement été la figure de proue de l'ASMO de l'époque. qui renfermait quand même des individualités marquantes aussi. Taïd Mtir, Allah Ibarak, c'est un grand monsieur, c'est un bon, excellent gardien de but, c'est un voltigeur, c'est un fonceur, on peut dire qu'il gueule trop sur ses camarades, il y a l'assurance, il y a la sécurité avec lui, surtout quand on jouait contre l'ASBO. Il assure la sécurité, il donne le courage à ses coéquipiers.
شاطر جمال je me rappelle avec la muraille du Chine de Ain Mil, là il était vraiment un échiquier très très important, un gardien très souple, longiligne, avec une souplesse extraordinaire et un mental, il était sobre dans les buts. C'est pas un gardien expressif comme pas mal d'autres gardiens, courageux comme ses camarades d'autres clubs. La formation, c'est dans des terrains en tuf et les conditions de cette époque-là. Mais Châter, il n'a pas vraiment brillé en équipe nationale. Il n'a pas eu la chance, mais il était en sélection universitaire. Donc surtout avec Ain Mil, il était vraiment un gardien de grande, grande qualité et surtout en dehors du terrain, c'est quelqu'un qui a des qualités humaines extraordinaires. Châter Jamal, c'était un gardien de Ain Mil. Il a joué même en équipe nationale, en jeune. Actuellement, il est en Arabie Saoudite. C'est un très bon gardien de but et en plus, c'est un fils de famille. جاءوا بلومي رائعة يخرج لايتي ما بلومي روحو وما يقدرش يسجل لويزينيو مليحة فرقاني في عدد كبير من اللاعبين وهدف بالفعل هدف أول بعد 8 دقائق في المقابلة زيدان من جديد بالرغم من وجود 4 لاعبين أمامه بلومي رائعة رائعة لقطات رائعة من طرف الفريق الوطني وماجير بسرعة ماجير وأسمار قوية من فرقاني وبصعوبة الحارس رائعة جيت الفريق الوطني في 84 يافيس رباح مهدي الله يرحمه كان دريد ناصر درنا كوب دافريك في 84 في كوت ديفوار وين سي كلاسي 3ام هذه هي خسرنا اون دومي فينال اللي شافي مع الكامرون سي تي اون غروند ايكيب الكامرون زدنا لعبنا 86 لي زيميناتوار كوب دافريك ولي زيميناتوار كوب دي موند وكذا بون انا تبليسيت ما رحتش ما كتبش المكتوب موراها درنا 88 درنا الكوب دافريك 88 في المروك اللي كنت انا ودريد وكان معايا النوري كان معانا تما كيف كلاسينا 3ام ميداي دو برونز اللي جات درنا اون بون كوب دافريك ما كتبش المكتوب اون 90 درنا كوب دافريك هنا في الجزائر وين فزنا بالكاس افريقيا مع الشيخ كرمالي الله يرحمه هذه سي لا 3ام بارتيسيباسيون كوب دافريك كنت انايا كان عثماني لي غاردين بيت كان العربي الهادي الله يذكرهم بالخير لي جوزنا يا ما جوزنا قريب شهر وحنا في سان جويي بايتين في سان جويي وساعدنا لحد بد يا في ماجار يا في منات كان اماني كانت لاعبين لاباس بهم وين فزنا بكاس افريقيا ومن بعد سيتي 92 لا كاتريام بارتيسيباسيون تاعي كوب دافريك 92 في زيغينشور في السنغال سيتي لا كاتاستروف لا غالوب اون افي بوكو دو بروبلام وين خسرنا خرجنا بريمي تور قادري a été un peu précoce c'est très jeune qu'il a gravi les échelons c'est très jeune qu'il a pu se faire un nom dans le milieu du football et des gardiens de but قادري كامل qui a commencé au Mouloudia d'Alger à jouer à l'USMA, à la GSK, il a été international à maintes reprises, il a été même champion d'Afrique en 90. Il a eu énormément de sacres avec les équipes au sein desquelles il a évolué. Kadri, avec son caractère bouillonnant, ne passait pas inaperçu sur le terrain. Il avait du caractère, mais il était aussi caractériel un peu. C'est quelqu'un qui avait du mal à garder son sang-froid lors des différents matchs parce qu'il n'aimait pas perdre. Il était un mauvais perdant. Mais c'est un gardien de but de talent.
Qadri Kamel, j'ai eu le plaisir de le côtoyer, de jouer avec lui. C'était sa dernière année en championnat national, c'était 90-91 avec le Mouloudia d'Alger. Puis il est parti pour une carrière, une expérience en Turquie. Donc Qadri, je me rappelle bien, c'était un gars, il était parmi les 2-3 meilleurs joueurs sur le plan physique. D'ailleurs, les tests physiques, à cette époque-là, on faisait des tests Cooper. Donc, il était toujours parmi les deux, trois premiers joueurs avec deux, trois premiers avec de très très bons résultats. جميله من تلمساني رقم 15 دياز رقم 16 اوراشيا رقم 6 فيلاسكاس وهذا كويسي في محاوله جميله معاها مامو زوج لاعبين كويسي الهدف لا ما تدخلش الكره عجيبه لقطه فنيه رائعه يقوم بها اللاعب كويسي ماروك اسرع قد 3 دقائق ماروك ما زال محتفظ بالكره يبحث على مساعده يوجد قندوز على الجهة اليمنى كرة عرضية قندوز راح يفتح في وسط المنطقة مليح هدف والهدف بالفعل والهدف حقيقة كان هدف منتظر من ماجر هدف حقيقة يجي قبل نهاية المقابلة J'ai joué 10 ans en équipe nationale de 1980 jusqu'à 90. L'année où on était champion d'Afrique avec Abdelhamid Kermali, Allah yarhamou. Et il y avait Fergani, il y avait Nourdine Saadi, il y avait Abdelwahab, Allah yarhamou, l'entraîneur des gardiens de but. Toute la période de 10 années que j'étais avec l'équipe nationale, on a joué plusieurs Coupes d'Afrique, on a participé des jeux panarabes, les jeux méditerranéens. Et on a beaucoup travaillé. Là, je me souviens un jour, c'était en préparation en 82 en Espagne. J'étais avec Mahdi Serbah, Allah yarhamou, il y avait Chenniti avec nous, le gardien de Sétif. On a joué le soir, et je me trouve titulaire. À l'époque, là, il y avait Maouch, Saadane et Rogov. J'ai joué mon match. Le plaisir que j'ai eu, c'était le lendemain sur les journaux, ils mettront Serbah le ghetto, Serbah le chat, c'était moi. C'est ça, c'est un plaisir que j'ai pris la relève, j'ai pris le relais de suivre la continuité de notre Mahdi Serbah. Le gardien de but algérien, il est renommé de Mbekri. Depuis ce temps, à l'époque, il y avait l'équipe nationale brésilienne. Ils sont forts, mais ils n'ont pas de gardien de but. En Algérie, on était renommés. On avait des grands gardiens de but. On a des gardiens de but jusqu'à présent. Mais malheureusement, donc, ils ne travaillent pas. C'est malheureux pour nos jeunes gardiens. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de gardien de but. Les locaux, l'équipe nationale, et que c'est grave. Il faut qu'on représente l'équipe nationale avec nos gardiens de but. Là, il faut une formation, il faut qu'ils travaillent. S'il le faut, ils travaillent deux fois par jour. On a fait Alger, voilà, en Algérie, pour que nos gardiens de but, mais sinon, je vais sortir un en Europe ou à l'étranger, pour que nous l'équipe nationale. Là, on est renommé. On a des gardiens de but, on a d'excellents gardiens de but, mais malheureusement, ils ne travaillent pas. C'est ça le problème. Il était assez bien. Alors qu'il jouait dans les grands clubs, on l'appelait le guépard. C'est mes souvenirs, le guépard, parce qu'il était extrêmement souple et agile. Il prenait des risques énormes sur le terrain. Il avait du caractère, il ne se laissait pas faire. Et il était franc. Il a joué en équipe nationale, pratiquement 40 matchs en équipe nationale. Albin Hadi faisait partie de la meilleure génération, donc avec Serbah, Allah yarhamou, Drid, Nasruddin, Ben Tal'a, Yassine. Donc
Il avait des qualités, une souplesse, une détente extraordinaire. C'est un gars qui n'a jamais eu peur des matchs. Donc, il jouait tous les matchs, équipe nationale ou championnat, d'une même confiance. Il communique bien avec le groupe et il dirige bien. C'était un gars qui avait une mentalité de leader. Et c'est une qualité primordiale pour un gardien, pour qu'il puisse diriger sa défense, et surtout dans les moments difficiles. Huna, il Mexique, fi jenoub el Mexique, an bouad hawalay 420 km an el asima Mexico, wa el hakam yahtasib khata dd Mansouri li salih raqm 7 Steven Benay el hadi العربي على الشاشة. الشوط الأول نتيجة متعادلة 0 لمثله ما بين الفريقين المنتخب الوطني الجزائري ببيض الحمراء على الشاندة الشمالية. وورتينغتون قطفة قوية وهدف اصطدمت باللاعبين. محاولات من جانب المنتخب الوطني اللي يظهر بلباسه الأحمر عصاد هذا وماجر وعصاد انطلاقة من عصاد انطلاقة دخل بعد العمليات لا ضيع عصاد عندي نتيجة تركناها في الشوط الأول قاسي سعيد لعمل قاسي سعيد دخل بعد العمليات قاسي سعيد شوف الإعادة على اللقطة ممتازة القطبة لقاسي سعيد رايح على عصاد لكن ما يفهمش مع رفيقه كان فيه خطأ حلبة مليحة والهدف زيدان يا سلام زيدان ممتازة شوف الكرة مشت الزاوية اليسرى وورتينغهام هنا في تسلل تعزيش لاعبين لكن الحكم يترك اللعب غريبة الحكم يترك اللعب العربي يا سلام العربي ما بريمير سيليكسيون ايتي افيك مرحوم الله يرحمه زوبا حميد زوبا ابري جوست لو مونديال 82 de l'Espagne. Hamid Zouba a fait appel à une nouvelle génération dont j'ai fait partie de cette nouvelle génération. J'ai passé 8 ans avec l'équipe nationale, j'ai joué 3 Coupes d'Afrique et une Coupe du Monde. Durant ma carrière internationale, j'ai fait partie de l'élite des gardiens de but dont faisait Mahdi Serbeh, Allah yarhamo. Il y avait aussi Berloul, il y avait l'Arbi, il y avait Amara. Voilà, c'est 4 gardiens de but. Les gens parlent que mon meilleur match, c'était contre le Brésil. C'est vrai, j'ai fait un très grand match contre le Brésil, mais aussi il y avait un match avant le Brésil, c'était le match qualificatif, l'avant-dernier match qualificatif pour le Mondial, c'était contre la Zambie. Je portais une casquette. Quand est-ce que je portais une casquette? Quand nous avons le ballon, notre équipe a le ballon, c'est-à-dire quand on attaquait. Je portais cette casquette. Mais dès que on perd le ballon et l'équipe de la Zambie attaquait, commençait à attaquer, j'enlevais cette casquette et je la déposais dans les buts. Pour eux, c'était du gris-gris. Ils ont envoyé un ramasseur de balles pour moi. Il me l'a volé. Juste après que ce gosse m'a chippé la casquette, il y avait l'intervention d'Abdel Wahab Mourad, Allah yarhamo, qui était notre entraîneur des gardiens de but. Il est venu intervenir pour récupérer la casquette. Il y a eu une petite, je ne dirais pas une bagarre, mais quand même, il y avait quelque chose pour les Africains. Donc, je dirais que c'est une futilité. Nous, pour nous, ce sont des futilités, mais pour eux, ils ont beaucoup d'importance parce que l'Ard est cadet de Théoham.
لي كروايونس تاعهم دونك ils donnent beaucoup d'importance لهذا الشيء هذا و surtout ils ont cru que la casquette a beaucoup d'effet pour le ballon ne passe pas ne dépasse pas de lead voilà وبالنسبه لي انا صافي ندير في ليكيب ناسيونال ذاك الوقت لو مير غارديان عندي انا دريد سي لو مير غارديان في ديك لا بيريود هذيك كاليتي الي تري فيف فيف البلاسمون تاعو يعرف بلاصي روحو كما كان يقول لك مصطفى ان غارديان فولون تشوفو حتى تشوفو طار وعدو كنا لا بير سونترال ذاك الوقت مع دريد لا بير سونترال انا ومغاريا فضيل ولي دو زاريير لاتيرو كان مرزقان وكوتي غوش شعيب محمد وكان الكونتاكت مع الغارديان سهل كنا ان جروب حنايا كنا متفاهمين ان جروب وما كناش نخلو لي زيسباس وكاع كاين سورتو معاه هو يهضر بزاف يعيط كذا سورتو دريد كان مره ولا عيط ما كناش نخلو لي زيسباس لي زاتاكو دريد صر الدين كوم جي دي عثماني اون في لا كوب دي مونت 86 انصامبل c'est un gardien de but on peut dire que plus qu'excellent c'est un voltigeur c'est un bagarreur c'est un joueur c'est un gardien de but qui baisse pas les bras et on comptait beaucoup sur lui sur le terrain Drid Nasreddin c'était un chat dans les bois c'est quelqu'un de très très souple ces deux gardiens là je parle pas du feu Serbah Allah yarhamou c'était une valeur ce n'est pas Hakim Serrar qui le présente c'est son histoire footballistique qui l'a présenté que ce soit Drid qui a fait la coupe du monde 86 ou Mahdi qui a fait Allah yarhamou qui a fait la coupe du monde 82 صوت يقدم عروض في المستوى مستوى الشهرة تاعه مراوغة ممتازة ماجر يطلق ماجر يطلق يدخل يفتح لا بعيدة ماجر تماسي صلاح البرازيل 12 دقيقة من نهاية الشوط الأول منصوري كورتو ماهيش مليحة ياخذها كازا جراندي ياخذها كازا جراندي فتحة ودريد ممتاز دريد لا في خطأ ممتاز دريد يا سلام هجوم البرازيلي يساعدوا خطأ في التمريرة من طرف شوف دريد كبير خرج الكرة خرجها من الخط سلام سقراط لجونيور قوية ليحة من دريد يا سلام ممتاز دريد ممتاز Première sélection en équipe nationale, à l'époque, c'était, il y avait Rogov, Sheradi, Rogov et Sheradi. Il n'y avait pas d'entraîneur de gardien de but à l'époque. Donc on s'entraînait tout seul et tout ça. Donc la première sélection, qui chef unim, comment j'ai évolué, Yassem Al-Harrach, donc ils m'ont fait appel. D'être la première, je ne me rappelle plus de quel match il s'agissait, mais je dis ma'am de 86 jusqu'à 88. Donc... Arat, donc ils m'ont pris avec eux. Donc il y avait Rogov et Sheradi. Bon, j'ai participé à une Coupe d'Afrique avec eux en 88. Donc de 86, fin 86, c'était juste après la Coupe du Monde. Il y avait Serbah Allah yarhamou, Deri Dugdam, Serbah Tenahaf, Marach, la Coupe du Monde 86. Donc là, j'étais Madrid ou Qadri à l'époque. Bon, Dries c'était le premier gardien, Kadri le deuxième gardien et Anak en troisième position. Bon, en équipe nationale, on se voyait parce qu'autrefois c'était pas comme maintenant date FIFA et tout ça. Autrefois on s'entraînait pratiquement chaque semaine. Les débuts fin de semaine, après le match, on rentrait en regroupement, on faisait
trois jours d'entraînement. Donc on était souvent ensemble. Donc c'était ça la force de l'équipe nationale. Autrefois, il y avait des joueurs, enfin issus de la gamme, donc il y avait deux ou trois. Quand il y a un match de compétition, tout ça, on faisait appel à des joueurs binationaux et tout ça. Donc il y avait des joueurs d'Oran, de Constantine, un peu partout. Donc c'était un seul groupe, une seule famille. Donc alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc ils m'ont vraiment aidé. Malgré, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'entraîneur de gardien de but. Mais on se plaisait. Donc tout le monde, on était frères. Voilà. D'abord, il était un grand gardien par la taille, hein, par la taille au sens propre et figuré. D'abord, morphologiquement, il était un des gardiens de but les plus beaux à voir sur le terrain. Et il était complet. Il était complet. D'abord, balle au pied, la relance, les balles aériennes, les balles au sol. Et il avait, malgré son poids et sa grande taille, des réflexes pratiquement époustouflants. L'AIHI a été même international. Il a eu deux Coupes d'Algérie. L'AIHI restera, comme il l'a été, un footballeur particulièrement respectueux, respectable. Ça a été une source d'inspiration pour pas mal de jeunes footballeurs, de jeunes gardiens de but. Il s'est même occupé de la formation des gardiens de but de l'Harach et des équipes nationales. رحيم كرة تصطدم بالعارضة الأفريقية. يا سلام عماني والهدف الخامس فريق الوطني سجل خمس أهداف كاملة في لقاء يعتبر سهل الشوط الثاني بالنسبة لفريق الوطني. شكرا سيدتي أولي سيادتي. بديت لاكارير ديالي في الحراش 72 في ليكول، ودرت ليكول تاع الحراش. لعبت كاع لي كاتيجوري، ومن بعد بون جزت على الفرق الوطنية من مينيم، كادي، جينيور، اسبوار، ايكيب ناسيونال بي، ايكيب ناسيونال ميليتير، ايكيب ناسيونال ا. ليكيب ناسيونال ا دخلتها في 1983 جوست مور لاكوب دي موند. كان معايا بن طلعه بغلول، وكان عماره، وانايا، كنا في اربعه. لا بيريود هذيك اللي كانت اللي كنا فيها كان سكان عبد الرحمن الله يرحمه، كان زوبا، كان الحاج ابرير الله يرحمه، كان هو المدرب تاع الحراس اللي محسوب ستانونور، اللي محسوب اللي خدمت مع محسوب مدرب كيما هذاك، من ناحيه تاع مربي، من ناحيه تاع اب، انسان خلوق، ومحسوب خدينا بزاف حوايج من عنده. وكانت التدريبات كانت محسوب، كان ان جروب سودي، كانت اون امبيونس في لونترينمون، في كلش كانت تري بون امبيونس. كان حاجه كيما ماركي في الاخر، كي يشوفوك محسوب سي طون برومي ماتش، وكاع لي جوار يعاونوك سيكولوجيكمون، محسوب في ليشوفمون تاعك افون الماتش، ومحسوب يخلوك مرتاح باش تدخل الماتش. وسيتي مون برومي ماتش ا لاج دو 23 زون، سي با فاسيل، مي جوزتها والله، غير جوزتها كراس محسوب مع دي جوار فريمون اكسبيريمونتي، كيما كان ماجير، بن شيخ، بلومي، قندوز، هادو كاع اللي كانوا محسوب يعاونوا فيا، محسوب باش يديروني الي زافون الماتش. باسكو كنت صح خايف البريمي ماتش ديالي مع اون ايكيب اونجليز
سي با نيمبورت كيل ايكيب دونك هما كان عندهم مارينر كان عندهم وارك كان عندهم تيسان هذا كانوا بزاف كان عندهم دي جوار انترناسيونال تاعهم سي كالكان دو افيك سا بونومي لا توجور افيك سون سورير كي 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 ايتي بيرمانون il a fait ses pratiquement toutes ses classes au niveau de l'Harraj de l'USMH. Khadim était surtout pratiquement un gardien qui était complet hein, et aussi bien dans les airs qu'au sol et Khadim a surtout été par la suite un très bon éducateur puisqu'il il était chargé d'entraîner les gardiens de but du club et des différentes équipes nationales. Mais Khadim restera quand même une figure marquante de l'USMH tout particulièrement. Khadim Khairdine, bon, je connais, il est de ma génération. Bon, il était à l'Harraj, il est revenu à l'Harraj, on était ensemble. Donc c'est un brave homme. Il est bon techniquement. Amani, mahoula fardiya Amani. Amani, raya min Amani, shmila mumtaza min Amani. 80,000 min ansar al fariq al watani jazairi huna bil malham al olympi. Hadaf muqabla safir li salah fariqna al watani. Mumtaza wal jumhur safaq. Mumtaza, shuf al i'ada. I'ada min Amani. عدد كبير من العناصر المصرية في وسط الميدان انطلاقة سريعة لطرق يحيى عبد الرحمن عادل وانطلاقة أخرى رحمة الجهة اليسرى انطلاقة منان ثم سيد الفار هدف ثاني با 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 هدف ثاني بالنسبة لفريقنا الوطني Première sélection en équipe nationale, c'était en 85-86 pour la Coupe du Monde au Mexique. J'étais avec Serbah, Drid ou Mahadith, bien sûr. J'ai été le premier à faire l'exercice pour se qualifier pour la Coupe du Monde 86. J'ai participé aux éliminatoires du premier match, Inch'Allah, contre l'Angola. Il y avait l'entraîneur Saadan et l'entraîneur des gardiens de but, Abdel Wahab Allah Yarhamou. Malheureusement, je n'ai pas joué les matchs officiels. J'ai participé aux matchs amicaux. Même, comme je disais, j'ai joué en Russie quand on a une préparation pour la Coupe du Monde. Juste un mois avant le Mexique, j'ai joué en Russie. هذاك العربي سي تان غارديان تاع شلف. إلى تي بون قال لك على كل حال جا مورانا شوية وقيل سلام مع الآخر مع العياشي جا مورانا شوية أنا جلي كوني في السعودية باسكو وقيل أكتويلمون يترافاي السعودية. صادق العربي سي أن جوار دو شلف. إلى تي ميم أون إيكيب ناسيونال إلى فينو أبخي حموني. إلى في سي كاليتي أوسي. Il a joué FC RB Ganet, il avait des qualités, surtout sur le terrain, il était très très souple, et il jouait bien sur sa ligne, il avait une belle frappe, c'est-à-dire, mais dans l'ensemble, il y a un très bon gardien de but, oui, de famille, c'est un bosseur, national. Peut-être qu'il n'a pas fait long feu, mais quand même, il a été international. Je le salue au passage. Il a été international à maintes reprises. Est un gardien de but pétri de qualité à l'époque. Un gardien de but qui avait une morphologie pas très impressionnante, mais qui compensait je dirais, sa taille moyenne par... par d'autres de qualités intrinsèques, la souplesse, l'agilité, le réflexe, la concentration. Et en équipe nationale, il a quand même eu l'insigne mérite de jouer, je crois,
une quarantaine de matchs avec l'équipe nationale où il a laissé une très bonne impression. Ousmane entre un bon palmarès, Coupe d'Afrique des Nations, Coupe d'Afrique des clubs champions, Coupe afro-asiatique, donc sans froid, sûr de ce qu'il fait. C'est vrai que sa formation, c'était plus sur du tartan que sur le tuf ou sur du gazon. Mais c'était un gardien... confirmé, et il n'a pas laissé beaucoup d'occasions pour son remplaçant d'émerger ou de montrer ses qualités. Il m'a fait une stéphanie, on avait un Fersici, on avait un Rahmani, on avait un Ousmane qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec Si Abdelhamid Kermali en 90. Un peu partout, on trouve de très bons gardiens qui ont beaucoup donné à l'Algérie. Et pour faire l'histoire des gardiens, il y a une liste qui est bien. Il y a une liste qui est bien. Ousmane est sérieux, c'est le sérieux. Ou bosseur, c'était un bosseur qui trouve l'entraînement. إلى درنا احنا ساعتين هو يزيد ساعة ويخدم وكنا نخدمه في الطرطان يعني حاجة صعبة موش قال القازان ولا ذاك في الطرطان صعبة يعني خاصة بور ان غارديان بيوت ان غارديان بيوت تعرف يطيح ينوض يبلونجي يركز على الكيب يعني الفايدة الصعوبة كبيرة يعني باه يعني توصل لهذاك الشيء لغير لافي de la finale Algérie-Nigéria, la finale de la CAN. Donc, on était à l'hôtel Saint-Juillet. Les chambres, pratiquement, c'est des chambres communicantes. Hein. On entend ce qui se dit dans la chambre à côté, la même chose. Il y avait Hadjaz, il y avait Rahmouni. C'était des joueurs suspendus pour la finale. Un, il n'est pas convoqué pour les 18 du match final, de la finale. Et un, il était suspendu. Hadjaz était suspendu et Rahmouni n'était pas convoqué. Wana Ousmane, on allait jouer le match demain. Donc, Ushidi Roma, Ousmane, Dayadr Maya, il commençait à parler, il fait des prévisions. Si on va gagner la Coupe d'Afrique, qu'est-ce qu'on va faire? On doit partir chez le président, on doit faire une usine. Toi et moi, on va avoir beaucoup d'argent, on fait des grandes affaires. Il était 10h30, 11h. Il ne faut pas trop rêver, on n'a pas encore joué le match. Non, je sens que qu'on va gagner, ne te casse pas la tête. Mais il faut penser toujours pour l'usine. On va faire une usine ensemble. Et Hadjaz et Rahmouni, surtout Hadjaz, ils commençaient à lire le Coran. Et à haute voix. 2h du matin. On ne pouvait pas dormir. Ousmane s'est déplacé chez Hadjaz. Il ne lui a pas parlé de la Coupe d'Afrique. Il lui a dit il y a une usine en jeu. Tu ne nous laisses pas dormir, ça veut dire qu'on ne va pas être en forme, tu veux qu'on va perdre demain. Sincèrement, en tant que joueur de l'équipe nationale, je dirais sincèrement, c'est Hassine Ousmane. Ousmane,
C'était un gardien de but au sens propre du terme, mais tout simplement parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé beaucoup, non seulement au club et puis en équipe nationale. C'était un très très grand gardien. إذن هذه التشكيلة على الصورة كما تشاهدون عثماني أيت عبد الرحمن بن حليمة مغارية سرار شريف الوزاني صايب عماني مناد وجاني وكذلك ماجر بين الثلاثي عماني ماجر عماني عماني أمام مناد اللي هو محاصر اللي هو مناد مناد هداف هذه البطولة أربعة أهداف مناد جمال مناد في صفوف نيم يلعب هذا عماني عماني قذفة قوية من عماني قذفة قوية من عماني عماني في اتجاه صايب صايب وجري وجري قذفة قوية والهدف قذفة قوية والهدف قذفة قوية والهدف وجري حقيقة يسجل الهدف الأول وجري اللي في الحقيقة ما يبدلش مجهودات يظهر عليه انه يضيع كرات لكن في كل مره في كل مره يخادع الحراس بقذفاته القويه والهدف الجميل اذا هدف مقابل صفر هكذا اذا يفوز الفريق الوطني يفوز الفريق الوطني بهذه الكاس السابعة عشر فوز مستحق فوز مستحق بالنسبة للفريق الوطني في هذه الدورة السابعة عشر شكرا لكل اللاعبين اللي بذلوا مجهودات شكرا لكل المسيرين سواء كان مسيرين تقنيين أو من الاتحادية أو كل الصحفيين الذين ساهموا وشكرا أيضا إلى الجمهور هذا الجمهور الغفير الذي حاضر كل